frères et sœurs, et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Il est 19h40 à peu près, et nous sommes en direct. Seigneur, nous voulons te bénir pour tout ce que tu fais, pour ce que tu es. Tu es Dieu, tu es tout-puissant, tu nous as créés. Tu nous as créés, Seigneur, tu nous as créés à ton image, tu nous as sauvés, tu nous sauves, tu nous sauveras, et nous voulons te dire encore merci pour la vie que tu nous as communiquée. Pour la protection, Seigneur, dont nous sommes, Seigneur, les bénéficiaires. Nous voulons te dire merci pour ce que tu fais dans la vie de nos enfants, de nos foyers. À toi seul, la gloire, la louange, l'honneur, la majesté au nom de Yeshua. Amen. Voilà, donc je suis en plateau avec mes amis de chrétiens. Voilà, nous avons à ma droite, je crois que c'est Jimmy, hein, notre frère, qui est venu me voir le premier, donc ce samedi, à la manifestation que nous avons eu à organiser à Paris. Et voilà, et puis à ma gauche, vous le connaissez certainement, c'est mon frère Bolé. Bolé qui nous vient de, n'est-ce pas, Birmingham, hein, Birmingham, tout ça, et qui en Angleterre, et qui sert le Seigneur là-bas. Voilà, que Dieu soit béni. Alors, je voudrais d'abord dire merci au Seigneur pour la réussite de cette manifestation. Et voilà, le programme qui a été organisé, comme vous le savez, ce samedi, nous étions à Paris, place de la République, de 14h à 18h, et vous avez été nombreux à avoir répondu à l'appel du Seigneur. Et je voudrais vraiment vous dire aussi merci. Merci à vous tous, vous qui êtes venus de plusieurs endroits. Il y en a qui ont pris des bus, des frères et sœurs de Bruxelles. Il y en a qui sont venus de Niort avec notre frère Sylvain. Et voilà, et d'autres sont venus de Lyon, de plusieurs endroits. Et voilà, du Havre, tout ça, de Normandie, de Paris, des États-Unis, du Gabon. Et en tout cas, vous étiez nombreux, du Luxembourg aussi. Donc, les gens sont venus de plusieurs endroits. Et vraiment, toute la gloire revient hein, au Seigneur. Et merci également à toutes les équipes, hein, voilà, des frères et sœurs qui ont été là pour notre sécurité, qui ont travaillé dans la sécurité, d'autres qui ont travaillé dans la distribution des denrées alimentaires. Et en tout cas, merci. Voilà. Donc, merci aussi à Paul, notre frère qui est venu de Lille avec sa camionnette remplie de denrées alimentaires, et avec son ami. Ils ont fait près de 600 sandwichs. Et voilà. Donc, tout s'est bien passé du début à la fin. Le Seigneur a glorifié son nom. Des orphelins, des veuves ont été défendus, l'évangile a été annoncé, des personnes étaient touchées par l'évangile, des passants étaient touchés, et beaucoup de chrétiens ont commencé, et grâce au Seigneur, hein, à ce programme qu'il a initié, à réaliser, beaucoup ont commencé à réaliser que l'Église ne doit plus rester enfermée, n'est-ce pas, ni dans les bâtiments, ni dans les maisons, mais elle doit être aussi sur les places publiques. Voilà. Alors, on va vous montrer d'abord l'image du 21 avril. Hein, vous savez qu'on avait une marche pour défendre les veuves, les orphelins, les personnes qui sont dans les besoins dans le monde, les guerres, les femmes violées, et pour dénoncer également ce qui se passe dans certains pays, les guerres, tout ça, dû à, n'est-ce pas, à la cupidité des hommes, et dénoncer également les massacres qui sont perpétré au Congo RDC et avec ce génocide qui est perpétré hein, et qui est en cours hein, depuis 2001 pour votre information. Donc nous avons en tant que chrétiens pris position pour défendre les pauvres. Voilà, donc on va vous montrer l'image du 21 avril dernier et ensuite on verra l'image de ce samedi.
Voilà, donc là, c'était le 21 avril dernier. Donc c'était une marche de Bastille à République. Voilà, donc c'est une marche qui a beaucoup impacté. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous a beaucoup assistés. Et là, ben, on va voir maintenant l'image, un extrait, hein, on va voir un extrait du programme de ce samedi, 1er septembre 2018. Voilà, donc là, c'est un programme que le Seigneur a initié. Aucun homme ne peut l'arrêter. Voilà, l'année prochaine, rebelote. Voilà, donc pendant des années, on a fait des programmes dans les bâtiments. Maintenant, on veut aller sur des places publiques pour aller dire au monde entier que Yeshua revient. Voilà, donc on y va, équipe, merci. C'est possible d'organiser des telles manifestations en plein Paris, dans le cœur de Paris. Voilà, que le Seigneur soit béni. Alors, on va prendre un passage dans le livre de Proverbes, chapitre 31, les versets 8 et 9. Proverbes 31, 8 et 9. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les enfants destinés à la destruction. Ouvre ta bouche, juge avec justice et plaide la cause du pauvre et de l'indigent. Ouvre ta bouche pour le muet. Donc il y a des gens qui sont muets, qui ne peuvent pas parler. Ils sont muets, non pas forcément, pas forcément physiquement, mais ils sont muets parce qu'ils sont muselés, parce qu'ils n'ont pas droit à la parole. Il y a des pays où des gens n'ont pas droit à la parole, il n'y a pas cette liberté de parole, d'expression. Si vous exprimez une pensée contraire à la pensée générale, vous pouvez même être emprisonné, voire exécuté. Alors, l'Église que nous sommes, n'est-ce pas, l'Église doit parler pour ces personnes-là, pour les muets. Deuxièmement, nous devons ouvrir notre bouche pour la cause de tous les enfants destinés à la destruction. À la destruction. Il y a, comme vous le savez, mes amis, beaucoup d'enfants qui sont destinés à la destruction. Toutes les 5 secondes, vous avez au moins un enfant qui meurt de faim dans le monde.
Donc, des enfants qui sont violés, des enfants qui meurent de faim, des enfants qui sont délaissés par leurs parents, comme cet enfant de 6 ans, 6 ans, au Congo-Brazzaville, qui est à la rue à 6 ans, non parce que ses parents sont morts, mais tout simplement parce qu'ils ont décidé de ne plus s'occuper de leur enfant. Ses parents ont divorcé et ils n'ont pas voulu non plus, ni la mère, ni l'homme, ni le papa, ni personne n'a voulu prendre soin de cet enfant. Et il se retrouve à l'âge de 6 ans à la rue, malheureusement. Et il y a beaucoup d'enfants comme ça. Alors, l'Église doit aussi prendre position pour ces personnes-là. Voilà. Et l'Église doit aussi ouvrir la bouche pour juger avec justice, pour plaider la cause du pauvre et de l'indigent. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont pauvres, des veuves, des orphelins, des étrangers, des gens qui sont, mes amis, en manque de tout. Et l'Église, sa mission est aussi de s'occuper de toutes ces personnes. Et pendant des années, on nous a dit qu'en tant que chrétiens, nous devons être fidèles à nos réunions d'Église, fidèles au culte, fidèles au jour du Seigneur, hein, soi-disant donc le dimanche pour certains. Et des chrétiens, malheureusement, sont conditionnés comme ça. Ils se lèvent un dimanche matin, ils vont au bâtiment d'église, ils prient, ils rentrent chez eux, la semaine, ils mènent leur vie comme si de rien n'était. Et puis, le dimanche, de nouveau, ils repartent à l'église, ils payent la dîme pour ceux qui croient encore en la dîme, même si cette pratique n'est plus, n'est-ce pas, d'actualité. Et ils payent leur dîme, ils payent leurs offrandes, toutes ces offrandes parfois qui sont inventées par des pasteurs, et ils rentrent chez eux. Mais on fait quoi des enfants destinés à la mort? Tous ces enfants au Yémen qui meurent, tous ces enfants qui meurent en Afrique, qui meurent au Venezuela, qui meurent au Venezuela, qui meurent en Colombie, qui meurent en Afrique, dans toute l'Afrique. En Côte d'Ivoire, comme cet enfant qui a été, comment dire, étranglé par ce jeune homme et qui croyait en ce marabout, hein, qui lui disait que si tu tues un enfant, ben, tu auras beaucoup d'argent. Et vous me direz, mais oui, mais c'est écrit, ce sont des choses qui doivent arriver. Oui, c'est écrit que ça doit arriver, mais c'est écrit aussi que l'Église doit, n'est-ce pas, exercer la miséricorde, la compassion. Que l'Église doit, n'est-ce pas, aimer son prochain. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc c'est aussi cela, la mission de l'Église. Voilà, donc les chrétiens, je n'ai pas vu le Seigneur Yeshua dans un costard et cravate ou dans une soutane et enfermé dans son bâtiment, dans son bureau. C'était un homme de terrain. Il allait auprès, n'est-ce pas, des faibles. Il allait au contact, à la rencontre des uns et des autres. Voilà l'évangile. Et c'est ce que nous voulons faire tout simplement. Nous ne voulons pas, mes amis, faire la promotion d'un quelconque monsieur, d'une personne. Nous voulons simplement sortir et crier haut et fort que le Seigneur aime les hommes, que le Seigneur revient. Voilà, on veut prêcher l'Évangile et le Seigneur nous donne ce moyen-là pour pouvoir le faire librement. Vous savez, mes amis, ce n'est pas une chose aisée de pouvoir, d'avoir une autorisation pour organiser une telle manifestation sur une place publique en France. Et c'est vraiment, vraiment le Seigneur qui nous ouvre, qui nous a ouvert cette porte-là. Et l'Évangile est ainsi annoncé. Et la police était vraiment, je crois, bénie, encouragée. On a eu des retours hein, positifs, comme lors de la marche du 21 avril dernier. Voilà, que le Seigneur soit béni. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que toi, quelle est ta conclusion? Comment tu as vécu ça Ben un moi, peu? je pense que. Pardon. Alors. Ouais, ce que je peux dire, c'est que notre Dieu nous surprend. Et je comprends une chose. Depuis le 21 avril jusqu'à maintenant, je vois qu'avec Dieu, on ne s'ennuie pas. Il a toujours une vision, et dans cette vision, il emmène ce qui est la gaieté, et dans cette gaieté-là, il propage l'évangile vrai. Là, par exemple, tu viens de dire, l'évangile, c'est pas seulement de s'enfermer dans les bâtiments. Et depuis des années, nous avions pensé comme ça. Notre présence auprès des pasteurs, nos dîmes, notre assiduité, tout ça, on pensait que c'est ça vraiment servir le Seigneur. Mais en fait, le véritable de Dieu, c'était de se tourner vers ceux qui étaient vraiment dans des vrais besoins. Et on s'habillait. Moi, par exemple, je suis sorti
d'une assemblée où le pasteur me disait que si je veux me tenir auprès de lui pour traduire, bah, il faudrait que je sois vraiment bien habillé comme lui, costard, cravate, mes chaussures, voilà, parce que ce n'est pas une église pauvre. Le Seigneur nous a bénis ici. Donc, on doit montrer aux gens que nous sommes riches. Et notre richesse, c'était dans l'habillement. Notre richesse, c'était voilà, être tout beau, être bien habillé, tout ça. Mais en fait, les gens souffraient. Et ma mère n'avait pas de mandat au pays. Mes frères ne recevaient rien. Et tout ce que je gagnais à Londres, c'était m'habiller. Je courais dans la même boutique que même les ministres, hein, où on prenait les cravates. Et tout ça, ça servit à quoi? Rien. Rien. Et donc, je suis vraiment heureux car avec ce message, avec cette vraie vision du Seigneur, je suis sorti de ce monde fou à retrouver l'œuvre véritable de Dieu. Il y en a qui pensaient que, ça y est, le frère, il fait de la politique maintenant, et il sort dehors comme ça, il dénonce les massacres à gauche, à droite. Et en fait, parce que beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont formatés comme ça. Ils n'ont rien compris, frère. Alors que nous sommes la lumière du monde. Exactement. Voilà. Moi, ça me donne l'image où Dieu dit qu'il sera sur la montagne des Sion, et son peuple, il est la lumière, son peuple viendra vers lui pour être éclairé. La Bible nous dit aussi qu'il est temps. Voilà, on a reçu la lumière, qu'on sorte des ténèbres. Et donc, parler des pauvres, ce n'est pas de la politique. Si les gens sont massacrés par un gouvernement au pouvoir et qu'on a un petit mot à dire, ça ne veut pas dire qu'on a pris parti. Non, du tout. Il faut sortir de ces... c'est une mauvaise compréhension de la chose et on va tout de suite juger ces véritables hommes de Dieu que Dieu a touchés pour aller plaider pour la cause des orphelins, pour la cause des veuves, pour la cause des gens qui sont malmenés, comme on l'a dit tout à l'heure, des enfants éventrés, étranglés. Si nous sommes de Dieu, nous devons pleurer quelque part dans nos chambres et il faut parler. On vient de lire dans Proverbe qu'il y a des gens qui sont sans bouche. Si l'Église ne parle pas, si l'Église qui a la lumière ne dit aucun mot, où est-ce que nous allons? Et puis aussi, ce que je vois, mon frère, quelles sont les souffrances que nous allons avoir pour mériter le royaume? Si nous ne prenons pas, nous ne faisons pas ce genre de pas pour être insultés, pour recevoir des œufs sur le visage, pour être critiqués. Mais c'est ça la vraie position qu'il faut prendre en tant qu'enfant de Dieu en ces temps. Exactement. Et la Bible nous dit, en faisant ceci, c'est une grâce de la part de Dieu. Donc, réjouissons-nous en le faisant. Et n'allons pas dans des discours qui ne mènent à rien. Non, nous n'allons pas regarder ça. Nous allons continuer. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, des plus belles, ça viendra. L'année prochaine. Amen. Voilà. Nous sommes. Je crois qu'il y a eu plus de monde là encore. Et ça viendra encore et encore. Et encore. Parce que les enfants sont éclairés. Amen. La marche ira. Et pourquoi pas? Ça va s'étendre, comme tu l'as dit la dernière fois. On partira de Paris. Ça pourra se faire en Belgique. Ça pourra se faire à Londres. Ça pourra se faire. Voilà. Et que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Alors, mon frère Jimmy, qui est venu pour la première fois nous voir ce samedi. Et bonjour à tous, bonjour à tout le monde qui nous regarde ici. Et bien sûr, je suis Jimmy de l'île Maurice. Et merci pour la première fois que j'ai eu l'invitation sur mon WhatsApp pour une sœur de l'église de nous-mêmes. Entre nous-mêmes, nous faisons l'église à la maison parce que nous voulons marcher dans la parole, dans l'obéissance. Et il y a beaucoup de personnes qui ne marchent pas dans l'obéissance. Malheureusement. Mais que Dieu toujours va être avec eux. Mais ce que je pense, quand j'étais à la République samedi dernier, je me suis vraiment étonné. Et je dis, bon, ouais, je suis en France, mais Jésus est en public, c'est super. Waouh. C'est super parce que je me suis rentré ici en France. Et il y a des personnes, quand j'étais à Maurice, m'a dit, Jimmy, je crois que c'était mon pasteur, et il s'appelle Jean-Noël à l'île Maurice, il m'a dit, Jimmy, tu dois rentrer à l'étranger parce qu'on a entendu qu'on moque de prière et il y a des gens qui ne croient pas en Dieu en France. Et quand il m'a dit ça, je dis, tu es sûr? Dis, oui. Tu es dans mon église, bon, tu es évangéliste dans mon église, mais il est temps pour que tu pars maintenant. J'ai dit, OK, bon, j'ai une invitation avec d'une personne ici. Et dommage que la personne n'est pas avec Dieu. La personne n'est pas avec Dieu, mais semblant qu'elle est avec Dieu. D'accord. OK. Et ça, on va revenir après dans notre topic. Mais quand je suis rentré ici, et à ce moment-là, je vois vraiment, il y a des personnes qui s'en servent au nom de Jésus, mais qui ne sont pas dans la vérité. Et qu'ils embêtent les gens. Et spécialement, il y a des gens qui prient au nom de Jésus, aller dans les maisons
ici en France et on prie chez eux et ils demandent qu'à 100 euros, 150 euros, wow. 100 euros. Pour faire quoi? Ben, ils ont travaillé. Ils ont travaillé dur. Wow. C'est la dîme. Ils embêtent les gens. C'est la dîme qu'ils vont aller mettre à l'église. Non, c'est faux. Parce que j'étais habité avec la personne 2 mois ou 3 mois. D'accord. Et je regarde ce roulement. Et à la fin, et la personne me dit, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est faux. Mais elle fait la prière au nom de Jésus. C'est quoi ça? Bon, c'est ça, ça, c'est une autre topique. Mais c'est pourquoi, comme Jésus a dit, veillez et priez. Jésus n'est pas bête. Il est Dieu. Mm-hmm. Il est Dieu. À chaque fois quand je prie, Seigneur, pourquoi tu dis, au dernier temps, veillez et priez. Veillez quoi? Priez quoi? Ok, Seigneur, parce que quand je me suis médité, c'est pour tous les chrétiens dans le monde entier. Veillez, prier, c'est quoi? Pareil comme, comme on dirait, on est en train de un sécurité est en train de veiller à la porte. Il regarde, il regarde, il regarde. Aussitôt qu'il fait comme ça, quelqu'un rentre. Il ne voit pas. Mm-hmm. Mais le diable est plus malin que les sécurités. Si nous ne veillons pas chez nous-mêmes, mais aussitôt que on n'a pas la crainte du Seigneur, on est dans, comment ça s'appelle, la distraction. À un moment donné, le diable rentre. C'est ça. Un vrai chrétien, pour moi, il devrait avoir la crainte de Dieu 24 sur 24, pas une seconde de la distraction. Une seconde de la distraction, c'est la semence du diable qui est entrée dans votre vie. Et vous ne connaissez pas. Mm-hmm. Vous ne connaissez pas. Et petit à petit, la mauvaise semence va commencer à manifester. Et le diable a dit, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et bien sûr, au plus tard, ça devient pire. À ce moment-là que vous voyez, il y a des personnes, que je parle, ils me disent, ben, frère, je connais toute la parole. Je connais toute la parole. Et c'est vrai, hein, avec les rétrogradés, ils aiment Jésus. Mais ils ont difficulté à prier. Ils ne pourront pas aller à l'église. Quand vous parlez la parole, dites oui, je connais la parole, mais je ne peux pas prier. Mais ça c'est un grand travail à faire maintenant. Mais quand vous voyez ce genre veut avoir l'amour de Jésus, le feu du Saint-Esprit, mais il y a toujours un blocage. Ça devient comment? Comment, frère, comment ça a été passé? C'est passé parce que vous n'avez pas le crainte de Dieu à certains moments. Mm-hmm. Il y a des choses qui vous ont vraiment intéressé de l'autre côté et le diable est rentré dans votre vie. Mm-hmm. C'est comme ça. Que Dieu garde chacun de ses enfants. Mais c'est magnifique, merci Seigneur. Et je vois qu'à la République, moi j'ai vu les jeunes filles françaises qui sont en train de fumer et prendre la bière, mais ils sont en train d'assis, ils sont en train de chanter, de dire Seigneur. Moi je dis Seigneur, manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Patients, des gens qui passaient. Parce là-bas. Que j'étais pas trop, j'étais dans la foule au bord du mont et maintenant et je me suis vraiment écarté parce que au finition de tout arrondissement et tout. Et à ce moment-là, je vois que Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen. La Bible dit où nous posons nos pieds. Bénis ce lieu. Amen. En ton nom. Merci Seigneur que les personnes à République, que la semence a déjà commencé dans la vie. Amen. Gloire à Dieu. Voilà mes amis, donc on va revenir dans quelques minutes pour écouter le témoignage de notre frère Jimmy. Et, parce qu'il était hindou et dans l'hindouisme un peu. Hein. Donc, je suis du hindouisme. Voilà, donc vous allez écouter son témoignage qui va beaucoup vous encourager. Donc voilà, à tout de suite.